put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on se retrouve dans le FF Gym en compagnie de Kimousse. Exactement. Et aujourd'hui, je vais être son coach. Donc pour la première fois. Non, pas la première fois, on l'avait déjà on fait. On avait déjà fait la VS Maître dans la première vidéo. La toute première vidéo de la chaîne, c'était ça. Une séance où je le coachais, puis ensuite une séance où il me coachait. Et on va refaire ça 2 ans plus tard. T'as pris de la masse hein, depuis, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, j'ai maigri, voilà, j'ai maigri. Non, il a pris de la masse. Donc il m'a dit pour objectif sur cette séance. Que de la congestion sur les pecs, je fais pas trop de force en ce moment. C'est plus sur soulever terre squat que je travaille en force. Voilà, donc il va vouloir congestionner un maximum. Mais je crois que je vais pas prendre en compte ce qu'il m'a dit, on va le massacrer. Là, le but de la séance, ça va être de travailler dans toutes les filières possibles, que ce soit la force, l'endurance, l'explosivité, et surtout dans tous les sens possibles des fibres des pectoraux. Ok, ça marche. Ok. Bon, là, tu chauffes progressivement, on va atteindre tout doucement ta 1 RM, et tu commences à te focus dans la séance. Parce que derrière, ça va pas rigoler, ça va être des vrais perfs. Je vais te dire ce que tu fais. Là, t'as okay. Mis combien? J'ai mis 100. Ok, 100, tu peux faire 6 reps. De toute façon, tu t'arrêtes quand je te le dis. On va pas à l'échec, hein. On chauffe doucement. Je sais. On prépare à assumer les 170. Toi, mec. Ouais, c'est easy, ça. Ouais, là, c'est toujours d'échauffement, ça passe. Surtout préparer le système nerveux. Ça fait un moment que j'ai pas fait de décès en lourd. Je travaille qu'à 100 en ce moment. Combien? Tu peux mettre 120. Fait super chaud. Allez, 120, 4 reps. Là, on commence à penser à la position, les pieds, bien serrer le dos. Et on est solide. Allez, bloque la respiration s'il faut. Voilà, 120, on met 10 et 10, 140. Allez, là, t'es prêt. Hein. Ça y est, la position, tu l'as acquise là, avec les séries d'échauffement. Focus. Place bien tes pieds le plus proche possible de tes fesses. Un dos solide, ton dos, il travaille aussi là-dessus. Essaie d'être explosif. Retiens pas trop la descente, mais explose sur la montée. J'en veux 2 ou 3. Allez. Inspire et pousse. Rapide sur l'explosif. Dernière, top, pause. On va mettre 160. Il me fait faire des PR, cet enculé, je fais des PR depuis perpète. Je veux te massacrer. Là, c'est pas un jeu, tu le sais. Mais t'as une 1 RM à 180, donc ça pour toi, c'est de l'eau. Tu l'as déjà fait. Mets-toi bien en place, prends tes repères. Solide. Quand tu verras que t'es prêt. Une seule. Chut. Une. Décoche. N'hésite pas. Tu contrôles et boum, explose. Une. Voilà. Pas besoin de moi. Ah non, pas paru si lourde. Ça va? Ça va. Ok, on va faire 180. Allez, va te faire enculer plus loin. Là les gars, on fait pas une 1 RM. Il a travaillé le dos hier en lourd en plus, donc on va éviter de pousser son corps au maximum. On connaît déjà sa 1 RM à 180 kg. Du coup là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte un maximum, donc on va atteindre les 170 kg. Là, on va voir ce que ça va donner. Il va faire une répétition seulement pour préparer son système nerveux aux prochaines séries qu'on va faire. Donc là, 170 kg, on appelle ça de la potentiation. Là, après ça, n'importe quelle charge qu'il prendra en dessous de 170 kg, ça va lui paraître beaucoup plus léger et il va pouvoir mieux travailler sur ses charges en hypertrophie. Donc on va voir déjà ce que ça donne avec 170 kg et ensuite on repart sur un top 7 assez lourd. Une rep, 170 kg. Alors là l'important, même s'il a déjà fait, c'est d'être focus les gars. C'est pas des charges de débutant, il sait ce qu'il fait mais il faut repenser à toute la technique. Même quand on est expert comme lui, il faut faire attention à chaque geste parce que le moindre déséquilibre peut vous causer de gros dégâts. Voilà, donc là il serre bien ses omoplates, il saisit sa prise habituelle lorsqu'il travaille en force. Un peu serré pour Pimousse, mais c'est caractéristique de sa morphologie. Une fois qu'il se sent prêt, il envoie pour une rep. Explose, explose, explose. Ok. Easy.
T'es pas sûr de ton coup, je me suis dit que je suis devenu derrière, easy. Mais t'avais pas besoin de moi. Ok, les 170 kilos, ils sont passés, ça a été, t'avais pas eu besoin de moi. Non, ça va. Donc là, maintenant, on va travailler en hypertrophie. On va prendre 80% de sa 1RM. Ça va nous donner 144, on va arrondir à 140 kilos. Que tu fasses un maximum de reps là-dessus, sans aller à l'échec. Tu t'en gardes une. J'en garde une de côté. Voilà. Ok, ça marche. L'idéal, ce serait d'en faire 6 à 8. Entre 6 et 8, ouais, voilà. Ça devrait être faisable. Donc là, faut se faire violence, même si tu sens qu'il t'en reste. Non, t'inquiète, je connais. Je travaille qu'à l'échec en ce moment. Voilà, les gars, la barre est chargée. Moi, je me mets derrière lui pour lui permettre de faire quelques reps en plus s'il a besoin. Il travaillera sur l'excentrique. Allez, 8 reps dans ta tête. Au niveau du tempo, contrôle bien la descente. Là, on est sur l'hypertrophie. Va pas trop vite. Allez, là, tu travailles. Là, tu te donnes sur chaque rep. Contrôle. Pousse. Allez, 1, 2, c'est ça. Contrôle. 3. Allez, serre les pecs. 4. Encore. 5. Tu peux. 6. T'es pas à l'échec. Il t'en reste. Allez, on va chercher les 8 là. 7. Encore une. Je t'aide sur la montée pour pas être à l'échec. Nickel. Allez, là. Donc là, s'il avait été tout seul, il aurait été à l'échec sur la 8ème rep. Donc je l'ai bien aidé sur la dernière pour pas qu'il la sente. Donc ça, c'était son top 7 de la séance. Il l'a fait à 140 kg. C'est validé pour 8 reps. Maintenant, on va prendre 65% de sa 1RM, donc 115 kg. Et on va juste faire du 3x10 pour vraiment finir le travail sur cet exercice. Et essayer de cibler un maximum de fibres sur tes pectoraux. Ok, donc là, 3x10, 1 minute 30 de repos. Le temps de repos, il est important de le respecter ici. Là, on fait du volume. On rajoute 3 séries pour avoir plus de volume sur la séance. Le plus gros du travail, tu l'as fait juste avant. Maintenant, on finit. Et on finit bien. Allez, quand tu veux. Pour 10. Encore 6. Va les chercher. 7. Pousse sur tes pieds. 8. Deux dernières. Allez, encore une. Ça passe. Ok. Bien joué. Toi, t'as l'habitude de prendre serré, coude très proche du corps. Ouais, pour mes triceps. Là, le but, c'est de vraiment solliciter tes pectoraux en hypertrophie. Donc on va prendre plus large pour désengager les triceps et surtout limiter l'amplitude, ça tu peux continuer à le faire pour désengager les épaules. Donc au lieu d'être ici, tu vas être un peu plus là. Ok. Alors n'hésite pas. Si tu as la moindre douleur sur l'épaule, n'hésite pas à rentrer un peu plus ton coude. Plus vous allez écarter, plus c'est les pectoraux qui vont être engagés. Hop. Et là je suis sur les pecs. Ok. Et allez. On va chercher les 10. Hein. Allez, souffle. 1, 2, voilà, là il limite l'amplitude, c'est bien. 4, allez encore, 5, pousse bien avec tes pieds. 6, 7, t'es bien là, écarte. 8, t'en restes. Allez, 9, toi s'il faut. Avant monter. Allez, monte. Bonne salope. Ah! Je me suis coiffé pour l'occasion, ils ont intérêt de lâcher leur meilleur like et de s'abonner, je te le dis. Allez, mets-toi dedans. Donc là, ce que vous le voyez faire avant chacune de ces séries, c'est de la visualisation, les gars. Ça aussi, faites-le en salle. Commencez pas à être sur votre téléphone pendant les temps de repos. Pensez à ce que vous allez devoir mettre en place pour réussir vos performances juste derrière. Là, ça y est, focus. On pense plus à rien d'autre, on a nos reps à faire et on va les chercher jusqu'au bout. On a 1:30 de repos, 30 secondes d'effort. Donc pendant 30 secondes, c'est à fond les gars. Bah. Allez. Inspire. Souffle. Voilà, limite l'amplitude. Va pas plus haut. Ok. 3. Allez, encore. 4. Reste sur les pecs. Écarte bien tes coudes. 5. Encore. 6. Allez, reste pas en bas. Reste pas en bas. 7. Encore une. On allait mourir là. Les amis, j'ai le pec qui va déjà éclater. Le zouziz. C'était cool. Ouais, ça va, c'était bien. Ça fait du bien. Donc là, c'est ce que tu as l'habitude de faire, c'est du travail en force. Ouais. Donc ça ne change pas. Maintenant, on va partir sur du développé incliné. C'est une séance pectoraux. C'est classique, les gars. En général, c'est ça. Bench, incliné juste derrière. Mais par contre, nous, on va le faire différemment. On est en gym, on n'a pas toutes les haltères à disposition. On a par contre des haltères réglables qui montent jusqu'à 24. Donc ça sera suffisant. C'est ce qu'on va prendre. Et on va travailler en statodynamique. Ah, ok. C'est-à-dire, je veux que tu bloques 5 secondes en bas. Okay, coude bien écarté. 5 rapides.
Et on fait ça 4 fois, donc on va monter jusqu'à 20 reps. Donc c'est peut-être une petite charge, mais là on va essayer de maximiser la tension sur tes pectoraux. Et on change d'angle pour travailler un peu plus la partie supérieure des pecs. On va pas trop incliner le banc parce que Pimousse il est fort des épaules, notamment sur le faisceau antérieur. Mais là je veux que tu sentes un maximum tes pecs. Avec 24 kg tu peux. Écarte à fond tes coudes, par contre, on va pas revenir au centre ici avec les haltères, on a une trajectoire bien verticale. Ok. Comme à la barre. Allez, pour 5. Souffle, 3, 4, 5. Et tu bloques. Mais garde la tension, monte un peu les haltères. Voilà, reste à 90. 3, 4 et 5. Envoie. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque, 90. Allez, on bouge pas. Encore. 3, 2, 1. Envoie. Allez, ça fait 2 séries. 3, 4, 5, je bloque. Allez, troisième, il t'en reste 2, là, on finit. Monte, monte, monte. On lâche pas, voilà. Allez, envoie. 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la dernière. Bloque, bloque. Allez, résiste. Sois bien solide. Ah et envoie les 5 dernières. Ça fait 25, va te faire enculer, oh là. Non, je suis un Italien, il veut me baiser en mer. On va rester lucide. Force et fun, les gars. Il veut baiser un Italien. Attention sur ce genre d'exercice où on impose un tempo à être bien stable. Vous avez vu sur la fin, on a tendance à être déséquilibré. Il faut vraiment être gainé tout au long du mouvement. Donc, il va finir ses deux dernières séries. Une 30 de repos. Il t'en reste 2. Hein. Ça marche. Pourquoi je suis là? Et ensuite, on passera sur l'exercice suivant, les gars. N'oubliez pas, petit like, on s'abonne si vous êtes nouveau. Et bienvenue sur FF. Faites des dons. Assis-toi, t'es pas prêt pour ce qui t'attend. À la fin, je vais avoir une piqûre quand même. Donc là, on va enchaîner les dips avec des pompes. Et après, on va se battre. Exactement, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va se battre, ouais. Alors, c'est du poids du corps. T'es assez lourd, donc je pense pas que tu vas faire énormément de reps. Mais je veux quand même que tu sois à l'échec sur chaque série. Que ce soit sur les dips ou sur les pompes inclinées qu'on va alterner en biceps. On focus ici le bas des pectoraux qu'on fait peu dans nos séances parce qu'ils sont bien développés chez toi. Incliner pied en haut ou pied en bas? Incliner pied en haut. Et ensuite, tu veux pas être enculé. Incliné pied en haut pour continuer le travail sur ton faisceau supérieur. Échec et échec. D'accord? Bah ça va être rapide l'échec. 3 séries. T'inquiète. Max 2 reps, tu te donnes à fond là-dessus. 3 reps, c'est bon ou pas sur les pompes? Il y a du fun, hein, mais on va essayer de rester fort. 3 séries à fond. Il croit que je fais du fun, il sait pas que c'est du vrai, frère. Échec. Tu t'arrêtes quand je te le dis. Je m'arrête quand mon corps il me le dit, frère. Il m'a dit quand je te le dis. Si mon corps il veut plus, tu peux me dire encore, je veux pas réussir. Il y a que les 5 qui a ce pouvoir, pas nous. Allez, champion! Voilà, on compte pas, on s'en fout des reps. Là, faut que tu te donnes, faut que ça brûle. Maximum. Ah! Ok, et on passe directement sur les pompes inclinées. Et là on enchaîne, 30 secondes de repos, notre but ici c'est d'amener un maximum de sang. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Pour le dernier exercice, ça sera de l'écarter à la poulie. Ici, on n'a pas de poulie, on va prendre des élastiques. Et vous voyez qu'au niveau des attaches, je ne les ai pas mis derrière moi, mais vraiment sur les côtés pour bien qu'on soit dans le sens des fibres. Ça, c'est une erreur qu'ils font souvent. C'est qu'ils vont mettre les deux élastiques à la même attache et ils vont venir travailler ici. Alors que là, on va vraiment travailler dans le sens de la fibre et c'est beaucoup plus efficace. Donc, il m'avait parlé de congestion maximum et quoi de mieux que le FST.
FST7 pour congestionner un maximum. Donc c'est une méthode d'intensification. Là ça va nous servir à ramener un maximum de sang pareil dans les pectoraux et d'augmenter le volume parce qu'on va avoir FST7, 7 séries à faire. Hein ? Pendant le temps de repos, on est en isométrie en plus. Donc tu t'arrêtes jamais pendant les 7 séries. Ah ok. Et là c'est congestion maximum. Ça va être rapide en fait. Assuré. Donc je te montre, t'as 10 à 12 reps à faire. Tu fais de la musculation ou pas? Un petit peu, là je suis même pas étouffé, là c'est naturel gros. Donc on part sur 10 à 12 répétitions en concentrique et excentrique, on enchaîne en kilométrie. Et ensuite on vient bloquer ici, donc je vais te demander pendant 30 secondes. Et je vais te demander de bien baisser les épaules et de bien serrer tes omoplates pour seulement engager tes pectoraux. Ici là moi je vais toucher pour que ça soit contracté. Allez, on bloque 30 secondes et on envoie encore pour 10 à 12 reps. On va faire 12 reps parce que c'est assez léger là. Allez, 12 reps. 1, et là, contracte, 2, encore, 3, c'est ça, 4, 5, allez champion, contracte, 6, 11, et 12, on bloque, allez, 30 secondes, allez, serre, on dirait des seins, ouais, c'était le zèze là, encore, là, c'est pas sur tes articulations, c'est vraiment le muscle qui doit travailler ici, encore, 5, 3, 2, 1, et on voit, là, on a fait une série, les gars, on part pour 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on bloque. Voilà. On a un beau modèle, on les voit les pecs. Beau mettre de l'oversize, gros, ça va exploser. Par ici. Je sens, ça tire bien dans les pecs, c'est pas mal. Prise neutre. C'est ce que tu veux. Là, l'avantage aussi de cet exercice, c'est qu'on travaille sous un autre angle par rapport aux exercices précédents. 3, 2, 1, et on envoie. Allez, troisième série. 11 et 12, c'est ça. Et pense vraiment à rapprocher tes coudes ici, pas tes poignets. Faut vraiment que ce soit tes pecs qui s'engagent. Je te cache pas que là, je sens plus rien. C'est anesthésié, frère. C'est ce que tu voulais. Tu l'as eu. Si vous le voulez aussi, www.fitnessfusion.fr, les gars, on vous coach pendant 1 an, 6 mois, 3 mois. Ah ! Allez, serre. Lève un peu les coudes. Voilà. Et on envoie. 12. 1, 2, 3 et 12. Allez, on a 5 séries. Encore 2. Les deux dernières. Allez, tiens ça, champion. Tu veux ta séance avec Essan? Faut passer par là. Si t'as su l'entraînement de DJ, Essan, normalement, ça devrait passer. Allez, tends les bras. Voilà, baisse tes épaules, contracte. Tu sens, là, comme si tu voulais écraser ici un stylo qui se trouve entre tes deux pecs. 11, 12. Allez, c'est ta dernière. On maintient jusqu'au bout. Dernière série. Allez, les dernières secondes. Finis bien ta séance. T'as terminé après ça. Allez, on donne tout. Allez, 12, on envoie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super champion. Le sang, il revient là. Hein, t'as bien travaillé. Bon voilà, sinon j'espère que ça vous a plu les gars. C'est une séance que vous pouvez faire si vous avez un niveau pas mal avancé quand même, parce qu'il y a des charges lourdes, il y a de la force en début de séance. Mais sinon, n'hésitez pas à faire cette séance, à nous taguer aussi en story, on vous repostera. Ça peut vous sortir de votre zone de confort, c'est pas mal pour bien congestionner, pour booster un peu vos séances, n'hésitez pas à le faire. Sinon, si vous voulez qu'on vous fasse vos propres programmes personnalisés, qu'on vous suive quotidiennement dans vos trainings, n'hésitez pas à aller sur www.fitnessfusion.fr. On fait du coaching personnalisé. Ça veut dire qu'on étudie votre profil, comme là avec Albino, j'ai pu faire. Comme là avec Pimous, j'ai pu faire. En ayant vu qu'il avait des épaules et des triceps dominants, j'ai limité l'amplitude sur ses séries. Par rapport à l'objectif qu'il m'avait donné en début de séance, congestion maximale, par rapport à son passé sportif aussi, où il a l'habitude de travailler beaucoup en force, j'ai su créer une séance qui lui correspond, qui lui permet de progresser. Et là, je suis sûr qu'en une séance, il a maximisé ses gains qu'il aurait pu faire. Et en plus, ça a été très court, c'était une heure, c'était intensif. Donc, si vous voulez gagner du temps sur votre pratique et progresser, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas, les gars, rejoignez l'armée des guerriers et entraînez-vous jusqu'à ce qu'ils doutent de vous. Parce que c'est ça le but. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Tidjo et Pimous. Force et fun. Voilà, la barre est chargée, je vais mettre derrière toi. Y'a pas que la barre qui est chargée ici.